La seule chose que tu me demandes. Bonjour, chers choisis de Jésus, je suis toujours très heureux de vous retrouver, particulièrement pendant cette semaine sainte. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir avec vous la pensée de ce jour qui est extraite du message 54 du premier volume. Prends conscience que tu deviens amour. Tel est le titre de cette rencontre d'aujourd'hui. Mon enfant, demeure dans l'action de grâce et la louange, et garde ton cœur prêt à accueillir et à s'émerveiller de ce que j'accomplirai en toi, autour de toi et à travers toi. Sois sans crainte, demeure dans ma paix, je suis avec toi. Prends conscience que par mon amour, tu deviens amour. Je te donne une bénédiction spéciale, nous dit Jésus. Je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui pour que nous puissions avancer ensemble, réfléchir ensemble sur ce que signifie prendre conscience que tu deviens amour. Si nous prenons conscience de quelque chose, non, généralement, cela veut dire que il y a comme un voile qui tombe de nos yeux, de notre esprit, de notre mental. Et nous ressentons quelque chose qui ressemble à de la joie parce que nous comprenons quelque chose. Voilà. Nous venons de comprendre d'une manière toute nouvelle l'objet de notre prise de conscience. Eh bien, aujourd'hui, essayons de faire tomber ce voile pour mieux saisir ce que signifie ce que Jésus nous dit, prends conscience que par mon amour, tu deviens amour. Nous devenons amour, nous dit Jésus. Nous devenons amour, c'est notre destination. Nous venons d'un Dieu d'amour pour retourner à ce Dieu d'amour, donc en état d'amour, et donc nous devons profiter de cette vie pour devenir amour. Mais le Seigneur nous dit, tu ne deviens pas amour de n'importe quelle manière, et surtout pas selon ta façon de faire à toi ou de penser à toi. Non, c'est par mon amour, nous dit Jésus, que tu deviens amour. Donc, le moyen de devenir amour, eh bien, c'est par son amour à lui. Donc, tout simplement, cette prise de conscience nous invite à deux choses. Notre destination est de devenir l'amour, et c'est en vivant de l'amour de Dieu que nous allons devenir l'amour. Alors comment Jésus nous fait comprendre ce cheminement de foi, ce cheminement de formation et de transformation de nos cœurs par son amour? Eh bien, il nous dit, avant tout, demeure dans l'action de grâce et la louange. Quand je lis cette phrase, demeure dans l'action de grâce et la louange, je ne peux pas ne pas penser à la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rends des grâces en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. Rendez grâce en toutes circonstances. Et donc, toutes les circonstances de notre vie quotidienne, chaque instant présent, est digne d'action de grâce et de louange envers le Seigneur. Et cela peut
effectivement nous poser quelques soucis parfois parce que, eh bien, nous vivons des rencontres qui sont malveillantes. Nous trouvons dans des situations malheureuses, parfois d'une extrême douleur, une extrême souffrance, et nous sommes aussi témoins d'événements qui se présentent à nous, qui sont aussi des événements malheureux. Et donc, comment, eh bien, pouvons-nous accepter de rendre grâce et de louer le Seigneur pour ces rencontres malveillantes, ces situations malheureuses, ces événements malheureux? Comment pouvons-nous rendre grâce? Peut-être que nous pouvons nous rappeler ce que le Seigneur nous dit dans Isaïe 55, 9. Il nous dit ceci: autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes chemins au-dessus de vos chemins. Autrement dit, la distance qui sépare le plan de Dieu, ce qui nous permet de vivre ou de ne pas vivre, eh bien, nous échappe. J'ai envie de dire que c'est peut-être, je dirais, l'expérience dans notre vie qui nous permettrait de comprendre cela, c'est quand nous, parents, nous avons un enfant qui grandit du tout petit, il commence à marcher et puis il ne comprend pas tout. Cette distance entre ce tout petit et nous, eh bien, la distance est énorme à nos yeux, mais elle est encore plus immense, infinie entre nous et notre Dieu à partir de ce verset d'Isaïe 55,9. Alors, déjà, c'est une manière de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, etc. De bien nous situer de qui est Dieu et qui suis-je? Et qui suis-je? Je suis une créature de Dieu. Il m'a créé, il nous a créé. Et comme le dit, il nous a créé dans le Christ Jésus. On peut le lire dans Éphésiens 2:10. Il nous a créé dans le Christ Jésus pour que nous réalisions des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est incroyable. Donc, il a déjà tout préparé. Et il vient nous dire aussi, eh bien, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, non, chapitre 3, verset 9, je crois, il vient dire, à travers saint Paul, que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous collaborons à son plan bienveillant sur toute l'humanité et sur notre vie naturellement. Et donc, nous devons nous aussi collaborer à devenir cet être d'amour en permettant à son amour de nous pénétrer pour que par son amour, nous devenions cet être d'amour en vivant chaque instant présent, chaque situation de notre quotidien, quelles que soient les dimensions, les sphères de notre vie, en demeurant dans l'action de grâce et la louange. Cette façon de vivre, c'est de nous reconnaître tout petits, de reconnaître qu'il nous aime totalement, inconditionnellement, irrévocablement, et il nous demande d'accueillir ses grâces, tout simplement, même si nous ne comprenons pas. Donc, c'est une démarche de docilité. C'est un état d'esprit dans lequel nous devons nous situer, je crois. Une démarche de docilité. J'ai envie de dire également d'obéissance. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas la soumission imposée, c'est une soumission volontaire. Je choisis d'être obéissant à mon Dieu parce que je sais qu'il m'aime. C'est comme nous, enfants, on est obéissant à nos parents quand on est tout petit, jusqu'à peut-être l'âge où nous commençons à nous rebeller, on se pose des questions, mais voilà, c'est de ça, je crois, dont il s'agit. Donc, si on replonge dans cette pensée, dans cette pensée de ce jour, la phrase qui suit me paraît intéressante. Si tu peux la remettre, Nancy. Alors, garde ton cœur prêt à accueillir et à s'émerveiller de ce que j'accomplirai en toi, autour de toi et à travers toi. Dès l'instant que nous sommes dans cette démarche
d'action de grâce, de louange, en sachant que nous vivons chaque instant de notre vie, de tous les jours, chaque instant présent, en vue de devenir cet être d'amour. Donc ça veut dire en acceptant, en accueillant le fait que nous sommes sur un chemin de transformation et de formation par son amour, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, le Seigneur va accomplir des choses en nous, autour de nous et à travers nous. Ça nous rappelle ce qu'il disait lui-même, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Eh bien, il veut accomplir dans nos cœurs, autour de nous et à travers nous, un certain nombre d'actions d'amour, d'actes d'amour. Eh bien, cela, il nous demande notre permission. Garde ton cœur prêt à accueillir. Donc, comme si je suis prêt à ouvrir la porte dès qu'il va cogner la porte de mon cœur. Un peu comme Apocalypse 3:20 nous dit, je cogne la porte de ton cœur, j'attends que tu me l'ouvres, nous dit-il. Donc, il faut que je sois à tout instant disposé à accueillir ce qu'il veut accomplir en moi, autour de moi et à travers moi. Plus que d'accueillir, il m'invite également à être témoin de ce qui va se passer parce qu'il me dit, laisse-toi émerveiller aussi par ce que je vais accomplir en toi, autour de toi et à travers toi. Donc il y a l'accueil, mais également cet émerveillement. Autrement dit, il m'invite à pénétrer l'accomplissement qu'il va réaliser en moi, autour de moi et à travers moi, pour que je sois attentif. Je suis à son écoute, j'ouvre la porte de mon cœur, je le laisse, je lui permets d'agir en moi, autour de moi et à travers moi, et il me dit, regarde, sois attentif, tu vas être émerveillé. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'est comme une promesse qu'il nous fait. Si tu fais ce que je te dis, eh bien, tu vas être témoin et tu vas ressentir, tu vas vivre des sentiments qui vont te faire comprendre à quel point ce que je dis, eh bien, je ne mens pas. Hein. C'est comme s'il nous disait ça, Jésus. Et puis il nous dit, ben, tu vois, dans cette situation-là, sur ce chemin-là, eh bien, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à douter. Sois sans crainte. Reste en paix. Peu importe ce qu'il peut se passer à l'extérieur de toi, peu importe ces paroles que tu entends, peu importe cette situation dans laquelle tu te trouves, même si elle est malheureuse, peu importe ces événements dont tu es témoin et qui augurent un avenir sombre, malgré tout ce que tu peux voir, reste en paix. Reste en paix, sois, demeure dans la paix. Parce que, dit-il, je suis avec toi. Et je pense que c'est important que nous nous arrêtions dessus. Souvent, nous oublions que Jésus est là, avec nous. Que le Père est là, que le Saint-Esprit est là. Au Père, nous pouvons lui dire, je reconnais que je suis petit, limité, impuissant. Je sais que tu m'aimes parce que tu m'as envoyé ton Fils pour mourir pour moi, porter mes péchés, mes maladies, et pour me ressusciter, pour que je redevienne un enfant, un enfant digne du royaume des cieux. Et donc, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je me laisse conduire par le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui va nous conduire à la vérité dans cette réalité que nous vivons. La réalité n'est pas la vérité. Il vient nous révéler sa vérité dans la réalité qui est la nôtre. Et l'une de ces vérités, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui, eh bien, rends grâce, loue, parce que tu es en train de devenir un être d'amour. Par mon amour, il te faut me donner la permission d'agir en toi, autour de toi et à travers toi. À cette seule condition, dit-il, je peux te transformer, te former, te maîtriser même, et tu deviendras un être d'amour. Donc accueille, laisse-toi émerveiller de ce que j'accomplirai en toi, autour de toi et à travers toi. Donc il y a cet aspect. Et puis, le fait de nous laisser guider
sur ce chemin par Jésus qui nous conduit à la vérité, eh bien, sa vie naît en nous, grandit en nous, à tel point qu'un beau jour, on pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul en Galates 2:20. Voyez, tout est juste lié, relié, tout est extraordinaire. Nous avons une foi extraordinaire. Et puis, le Saint-Esprit, c'est lui qui, eh bien, opère en nous tout ce que le Père désire faire, tout ce que le Jésus désire faire en nous, autour de nous, à travers nous. Ils le font tous à travers le Saint-Esprit, qui nous habite, qui nous remplit, qui nous donne ses dons. Encore faut-il que nous soyons à son écoute, disposés à les accueillir et à être dociles. C'est pour ça que j'aime bien rappeler cet enseignement que le Seigneur m'a permis de recevoir de la prière de l'Angélus, que j'aime beaucoup. L'ange apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Pour pouvoir concevoir du Saint-Esprit, la Vierge Marie était dans une disposition d'écoute, de disponibilité, d'accueil et de docilité. L'Esprit Saint a pu passer à travers elle pour concevoir en elle. C'est ce oui, ce fiat qu'elle a donné. Et puis, deuxième partie de la prière, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est comme si la Vierge venait avec toute sa décision. Me voici, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas la mienne, pas ma volonté, ta volonté à toi. La Vierge Marie a fait son choix. Elle a pris sa décision, c'est Dieu qui passe en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. C'est lui qui passe en premier dans tout. À tel point que quand elle est revenue de sa visite à Élisabeth enceinte, elle n'a rien dit à Saint Joseph qui a voulu la répudier par respect pour elle. Eh bien, voyez-vous, elle n'a rien dit, elle a tout laissé au Seigneur. Elle n'est pas venue se justifier auprès de Saint Joseph, rien du tout. Quel modèle nous donne-t-elle? Enfin, quand j'ai écouté, j'ai été disponible et docile avec mon oui, quand j'ai fait mon choix de fixer mon regard sur le Seigneur, sur sa volonté, sur son amour, eh bien, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, il s'incarne en nous, autour de nous et à travers nous. C'est juste magnifique. Pour que nous devenions amour, il est nécessaire que le Seigneur puisse s'incarner en nous, autour, voilà, pour que nous devenions cet amour, cet être qu'il est déjà. Et c'est ce qui nous permettra de venir dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à travers moi, tout simplement. Eh bien, prenons conscience que nous devenons des êtres d'amour, prenons conscience que nous devenons amour. C'est sans doute la phrase qui devrait peut-être nous accompagner jusqu'à cette Pâque qui nous attend. Le Christ a été tout amour pour que nous devenions amour, par son amour, dans son amour, en faisant la volonté de son Père, en tout et pour tout, en s'effaçant derrière son Père. Je vous souhaite une bonne semaine sainte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, joyeuse Pâques. Au revoir.